dramaturgie de Werther est venue d'une idée de départ, c'était que je voulais remonter toute l'histoire de Werther à rebours, c'est-à-dire partir de la mort de Werther et que lui, au moment de son agonie, pendant ces quelques secondes où l'on est censé revivre toute sa vie, qu'est-ce qu'il cherche à revoir, comment il en est arrivé là, et à revivre son aventure avec Charlotte. Et tout se fait à travers ce miroir brisé. Ce miroir brisé, c'est la vie que lui va traverser, dans lequel il va avoir aussi un dialogue non seulement avec lui-même, mais également avec Dieu. Et tout se déroule de cette façon-là jusqu'à la fin. Et à la fin, le point d'interrogation, c'est que va-t-il continuer à vivre et chercher éternellement à retrouver ces quelques secondes de bonheur qu'il a pu avoir. C'est l'idée principale du spectacle. Et quant à Werther, justement, ça lui permet de traverser l'opéra, comme il traverse le miroir. Nous sommes son complice, il est notre narrateur. Et donc, nous voyons tout à travers ses yeux. Was a very, very famous composer in his time. And now I think we are gradually rediscovering not only Werther and Manon, but also other pieces of him, because he was such a professional composer. He had an unbelievable taste. I think that's what I really appreciate the most about Massenet. He has always the right proportion in anything he writes. So it's always the right proportion between dramatic and lyric. It's always the right proportion between fast and slow and color and power. The other thing, this great taste of balance he has also in his orchestration and instrumentation. It's a perfect instrumentation what he does. He was not just a big talent, but he exactly knew his job. I think his music is you know, one or two steps over the earth. So it's a very fluent and beautiful breathing music. So it's a big, big pleasure to study and to work on his piece. Oh, personaggio che vive in una società che la ovviamente che la condiziona e ha questo forte senso del dovere legato alla morte della madre. Questa madre le ha fatto giurare di sposare Albert e dunque lei sente tutte queste condizionamenti affettivi e sociali come qualcosa di non insuperabile che la portano poi a non poter amare Werther.
le Werther que Jean-Louis Grandin m'a proposé, donc avec cette possibilité de, voilà, je suis mort au départ et je revis en fait un petit peu tout ce que j'ai pu vivre avec Charlotte et les autres. Je trouve ça vraiment très intéressant. J'ai passé pas mal de temps à essayer de réfléchir pour que justement que le public arrive à lire cette proposition, parce que c'est une chose de pouvoir en discuter avec le metteur en scène et c'est une autre chose de vraiment mettre tout en œuvre pour que le public comprenne réellement ce qu'on est en train de jouer.